Bonjour tout le monde, je vous montre un petit tuto pour vous expliquer un peu quels sont les paramètres utilisés pour passer de ceci à ceci, avec les petites corrections dans l'image. Je vous montre tout ça pas à pas. Allez, bonne vision, à bientôt. Donc je me suis dit pourquoi pas une fois vous montrer étape par étape comment je procède pour une mise en noir et blanc d'un cliché. Donc j'ai été un petit peu refouillé dans mes ancêtres et je suis tombé sur cette photo qui me paraît plutôt pas mal. Enfin bon, dans un premier temps peut-être pas, mais après retouche certainement. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de retourner quelque chose. Je me suis dit, bon, on va s'amuser avec cette photo-là. Donc qu'est-ce que je compte faire avec celle-ci? Eh bien, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses qui dérangent, notamment enfin, le premier plan et l'arrière-plan, déjà je vais devoir recadrer cette photo parce que ça ne correspond pas du tout et il y a beaucoup trop de choses qui perturbent le regard. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà recadrer. Ensuite, je vais déjà faire des premiers réglages au niveau de Lightroom. Et vous allez voir qu'on peut déjà passer un noir et blanc sous Lightroom avec quasi aucune correction à refaire sous Photoshop. Maintenant, bon, à chacun sa technique, à chacun sa méthode et à chacun son regard, évidemment. Donc moi, ici, ce sera le mien. Vous pouvez tous avoir un regard tout à fait différent sur cette prise de vue. En tout cas, c'est la mienne et je l'adhère. Donc voilà, c'est le principal. Donc, je vous montre tout de suite déjà première étape. Première étape du recadrage sur Lightroom, pour ceux qui connaissent peut-être pas encore Lightroom, vous avez déjà ces premiers réglages qui sont ici. Donc le premier, c'est celui-ci, le recadrage. Alors vous avez deux façons de recadrer, soit de vous recadrer avec le ratio tel qu'il est, ou soit en mettant le verrou ici en actif. Donc en le mettant sous actif, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez recadrer sur n'importe quelle partie, tout sera en ratio égal, donc il n'y aura aucune déformation de vos proportions, tandis que si vous ouvrez votre cadenas, là vous recadrez un petit peu comme vous le désirez. C'est pas vraiment le but ici, quoique pour certains cadres que j'ai ici, je pense que un petit ratio comme ça ce serait pas mal, mais bon, c'est pas le but de cette manœuvre. Donc ce que je vais faire un ratio égal et je vais supprimer déjà les petites choses qui me dérangent, c'est-à-dire les chaises en premier plan. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose, quoi. On peut vraiment garder quasi le reste. Donc moi, je vais juste redescendre un peu ceci pour garder un peu de la roue et un peu du pied et un peu de l'arbre. Voilà, ceci on ne s'inquiète pas trop, ça va disparaître dans le vignettage. Donc voilà, donc ça ce serait pour moi mon premier cadrage. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a quand même déjà éliminé une belle partie de ce qui dérangeait. Alors évidemment, on a le petit monsieur là derrière qui pour moi n'est pas des plus intéressants et qui risque un petit peu de tromper l'œil, surtout par rapport à la chemise. Bon, mon Dieu, le reste ça passe encore. Donc je vais voir, soit je le supprimerai, soit je le garderai. Tout dépendra un petit peu mon regard à ce moment-là. On a évidemment le panneau du cycliste ici qui pour moi me dérange aussi. Et par contre, le petit feu jaune avec le petit bonhomme vert, là, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Alors qu'est-ce que je constate aussi dans cette photo? C'est qu'on a une couleur plus ou moins semblable. Un petit jaune qui rappelle le petit jaune ici sur le réservoir d'essence. Donc je vais essayer de garder ces deux éléments-là, en restant un petit peu dans ces tons marron, ton brun avec l'arbre, avec le fond de l'image, justement le boisé, le bardage qu'il y a là derrière au niveau du bâtiment. Donc tout ça pourrait rester en couleur quelque part. Donc je parle un petit peu ici d'une désaturation partielle, sans faire ressortir trop fort, parce que c'est vraiment. Ça a été une mode à un moment donné où tout le monde faisait de la désaturation partielle, mais c'était horrible. En tout cas, ça l'est devenu maintenant et je pense que ça le deviendra toujours et ça le restera toujours. Donc ici, je vais jouer un peu sur une désaturation partielle, mais tout en restant un peu homogène au niveau de l'image, quoi.
Donc, qu'est-ce que je peux traiter par la suite? Donc, après mon recadrage, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ressortir évidemment ce qui est à faire ressortir avant de passer tout ça en noir et blanc. Donc, je vais un peu booster et redéboucher mes ombres qui sont un peu bouchées. Donc, c'est souvent les premiers réglages que j'utilise. Donc, je débouche à fond les ombres et je réduis à fond les hautes lumières. Et vous voyez vraiment ce qui change au niveau de la photo. Mais bon, c'est un peu catastrophique à ce niveau-ci. Vous allez voir que une fois qu'on aura plus de couleurs, ça va tout changer. Alors, une fois que ça est fait, je vais déjà jouer sur ma luminosité, mon exposition. Je vais déjà me mettre plus ou moins en bonne exposition. Pendant l'embolo, bien sûr. Pour la petite histoire, je travaille avec une tablette Wacom. Et pour l'autre petite histoire, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, je présente un certain handicap. Donc j'ai une paralysie, donc je commence à avoir de grandes difficultés pour utiliser mon stylet. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Donc, je vais pousser les contrastes, mais pas encore totalement, parce que le but, évidemment, c'est de passer la photo en noir et blanc. Et vous allez voir que quand on booste un contraste en couleur sur une photo couleur et quand on booste un contraste sur une photo noir et blanc, ça n'a évidemment absolument rien à voir. Donc, je ne vais pas, dans un premier temps, bouger à ce contraste. Je vais d'abord rendre mon image plus ou moins homogène. Donc, je vais laisser mon contraste tel qu'il était plus ou moins, et je vais maintenant régler mes blancs et mes noirs. Donc la petite histoire pour régler les blancs, vous devez appuyer sur la touche pomme de votre Mac, Alt pomme donc, et vous faites bouger votre curseur jusqu'au moment où vous voyez apparaître le premier petit point blanc, donc ici dans le fond de l'image, voilà. Et pour le noir, vous faites pareil, vous cliquez sur le curseur noir et vous bougez votre curseur jusqu'au moment où vous voyez apparaître des petits points noirs. Voilà. Donc ici, on a normalement une correspondance blanc-noir correcte. Alors, option suivante, je vais maintenant supprimer donc mes couleurs tout en essayant de garder cette petite partie marron comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, il faut que je joue sur deux paramètres. Vibrance et saturation. Si je ferme tout, ben, on a une photo en noir et blanc, bon, ce qui n'est pas plus mal non plus. Mais bon, moi, c'est pas le but. Moi, le but, c'est de pouvoir garder cette petite... je me suis trompé de bouton. Le but, c'est de pouvoir garder cette petite couleur qu'on a. Voilà. Donc, normalement, en coupant ma vibrance et en jouant sur ma saturation, j'arrive à aller rechercher la couleur du logo et cette petite bande jaune et cette petite, ces couleurs au niveau du feu. Donc maintenant, l'autre étape sera de complètement supprimer les couleurs qui me dérangent, comme la grosse tache rouge ici, comme ça à la limite on peut le laisser. Donc je vais de nouveau maintenant jouer avec un pinceau, le pinceau qui se trouve ici. Et là, je vais jouer sur ma saturation, où je vais complètement la mettre à zéro pour enlever tout ce qui me dérange. Donc, c'est-à-dire bien regarder que le débit soit à 100%. Ça m'évite de passer 50 fois sur la même zone. Voilà, le clignotant qui, évidemment, ne peut pas être orange, mais doit être noir et blanc. Voilà, ça, je vais le laisser, ça, je vais le laisser. Et ce que je vais faire... un petit contour progressif, mais pas trop. Voilà, je vais supprimer. Petite couleur qui est là. Je vais supprimer, même si ça va disparaître par la suite. Je vais supprimer ça. Je peux laisser
ça, quoique. Ouais. Bon, je crois que je vais quand même supprimer tout ça. Cette couleur d'arrière-plan qui, quelque part, ne m'intéresse pas de trop. La fenêtre, peut-être. Mais ici, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, on a cette petite couleur qui rappelle et ces petites couleurs qui rappellent. Le tronc d'arbre, pareil. Je vais supprimer et je vais même repasser sur une partie de la moto où on a quand même des traces de couleurs qui ne m'intéressent pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est le logo. Et cette ligne jaune. Okay. Donc maintenant je vais pouvoir jouer sur les curseurs de contraste. Donc je reviens sur mon panneau général et là vous allez voir que le contraste n'est pas du tout le même en noir et blanc qu'en couleur. Vous voyez, je vais légèrement booster mon contraste. Ok, voilà. Et je vais même rejouer un peu sur ma luminance. On n'est pas mal dans mon exposition, pardon. Voilà. Okay. Donc ici, j'ai une photo qui est un peu trop claire. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais nous allons maintenant jouer sur des points essentiels de cette composition. Donc, le point essentiel, c'est évidemment la bécane. Et là, nous avons toute une série d'outils bien pratiques qui permettent de mettre l'accent sur ce qui nous intéresse. Et vous allez voir que en jouant sur un petit vignettage un peu particulier, sans booster trop évidemment, sans trop atténuer, on arrive à des résultats un peu plus impressionnants. Bon, évidemment, il ne faut pas aller de trop loin, il faut faire gaffe, il faut bien mesurer ce qu'on recherche. Voilà, et vous pouvez comme ça jouer avec, je vais par exemple prendre mon petit pinceau et je vais diminuer l'accent sur le bas, ici par exemple. Voilà, diminuer un peu l'accent ici aussi. Pas trop, juste là, voilà. Je vais reprendre mon cercle. Vous allez voir que mon cercle, ici, j'ai une partie de luminosité un peu trop poussée. Donc, évidemment, ça ne va pas, voilà. Je vais faire ça plus comme ça. Hop là, pour moi, voilà. Donc, je peux jouer, évidemment, sur des zones aussi. Bon, j'ai cette zone de la selle par exemple qui m'intéresse. Voilà, je peux dupliquer si j'y arrive en cliquant droit sur votre souris. Vous dupliquez votre zone et vous répercutez votre zone ici. En inversant, évidemment, vous allez pouvoir jouer sur, voilà, comme ça par exemple. Pour dupliquer ceci, hop. Nous remettons un petit peu plus l'accent ici, ce qui est pour moi un peu trop fort. Donc ce que je vais faire, je vais le diminuer un tout petit peu, voilà. Ok, et alors ici, on va. Ça, c'est pour l'extérieur, bien sûr. Ok. Donc, vous voyez que, bon,
Pour moi, il y a peut-être quand même une zone d'ombre un peu trop prononcée. C'est surtout cette zone-là en fait qui est trop sombre. Donc il suffit juste d'augmenter un peu, voilà. Donc on arrive à obtenir quelque chose d'un peu plus homogène. Bien que cette partie-ci pour moi est un peu trop. Ça et peut-être la réduire un tout petit peu. Voilà. Ok, donc ça c'est évidemment à chacun de jouer avec ses curseurs comme il l'entend. Hein. Tout en restant évidemment. Voilà, ok. Alors là, pour moi, on est déjà sur une image qui est presque prête. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? C'est faire un peu de nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nettoyer dans cette photo pour ne pas qu'il y ait trop de choses dans cette composition? Ben, c'est déjà, à la limite, effacer cette partie ici. Cette lampe qui attire l'œil, le petit bonhomme avec le vert, peut-être pas. Le monsieur, j'hésite, je sais pas. Je pense que le monsieur peut rester parce qu'on a justement le passage piéton vert et on a le rappel du piéton. Maintenant, oui, peut-être. Alors, on va toujours l'ouvrir dans Photoshop. Donc, pour ouvrir une photo dans Photoshop, vous cliquez sur la photo ici à droite, cliquez droite et vous allez sur modifier dans Photoshop 2017. Alors, on va essayer de se focaliser sur déjà cette première petite chose qui me dérange. Donc ici, il n'y a pas 36 solutions. Alors, je vais devoir adresser ça ici. Voilà, comme ça, on a tout. Ok. Alors, on va déjà essayer de nettoyer ceci. Sans que ça ne se voit trop évidemment, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Donc voilà comment je travaille sur un noir et blanc en général. Donc ce que je peux encore refaire ici, c'est remettre un petit peu plus de détails dans ma photo. Donc comment je fais? Je vais retravailler sur la photo globale. Donc pour ce faire, pour assembler tous mes calques ici, je clique sur Pomme Alt Shift et E. Pomme Alt Shift. Et eux vont rassembler tous vos calques et en recréer un seul avec tous les calques réunis. Et de ce fait, chaque modification va être considérée sur tous les calques en fait. Donc c'est comme si vous décochiez tous vos calques qui sont ici en dessous et que vous ne retravaillez que sur votre premier calque. Donc ce que je vais faire ici, je vais rejouer sur le
la finesse de l'image, donc sur le sharpen, et je vais ici remettre un petit peu plus de détails dans mon image, tout en restant évidemment cohérent. Bon, vous voyez que si on booste, vous voyez les détails qui ressortent. Hein. Bon, ça ne sert à rien d'en mettre de trop non plus. Diminuer un petit peu le threshold. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Hop. Voilà, je pense que mon image est correcte. Je vous enregistre ça. Et vous allez voir qu'en revenant sur Lightroom, votre image corrigée va se rajouter ici. Là, voilà. Image donc terminée pour ce petit traitement noir et blanc. J'espère que ce petit tuto vous aura un peu éclairci si toutefois vous étiez dans le brouillard. Donc j'espère encore en faire quelques-uns d'ici peu en fonction de ce que je trouverai. Donc, je vous remercie en tout cas de me suivre sur cette chaîne. Vous êtes pas très nombreux, mais de plus en plus. Donc ça me fait plaisir et j'espère en tout cas que ces petits développements vous permettent de trouver les solutions à vos questions. Merci à tous et à bientôt.